Bonsoir à tous. Il est maintenant 18h30, je crois. Donc, on va pouvoir commencer. Écoutez, je suis ravie de vous voir si nombreux pour cette 10e conférence Zoom de la santé de la direction de la ville de Nice. Et cette conférence porte sur les cancers cutanés. Nous avons bien choisi notre date, hein, juste avant l'été, juste avant que nous commencions à fréquenter assidûment les plages et que nous exposions au soleil. Bien sûr que le soleil est bénéfique pour la santé, mais en quelle quantité? On a tous entendu « je n'y risque rien, car je ne m'expose jamais au soleil » ou encore « je n'y risque rien, car j'applique bien de la crème toute la journée à la plage ». Mais est-ce bien vrai? Selon Santé publique France, environ 80 000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année. Et une grande majorité serait évitable si on changeait quelque peu notre comportement à l'extérieur. 70% sont des carcinomes qui ont une malignité locale. Et malheureusement, le reste sont des mélanomes qui peuvent métastaser et donc se propager au reste du corps. Ce sont donc les plus dangereux. Et en 2018, il y a eu 15 500 cas de mélanome cutané. Et il y a eu presque 2 000 décès liés à ce cancer en France. Et incroyablement, le mélanome est maintenant devenu l'un des cancers ayant la plus forte augmentation d'incidence entre 2010 et 2018. Mais tout cela va vous être fort bien expliqué par le docteur Henri Montaudier, que je remercie infiniment d'être là ce soir pour animer cette conférence Zoom Santé. Le docteur est spécialisé en oncodermatologiste, un dermatologue bien sûr, maître de conférence, praticien hospitalier au CHU de Nice, membre de l'équipe INSERM U1065 du Centre méditerranéen de médecine moléculaire et responsable de l'unité de cancérologie cutanée du CHU de Nice. Il nous expliquera plein de choses. Il nous expliquera l'anatomie de la peau, bien sûr, l'effet des rayons, les bienfaits et méfaits du soleil, les différents types de cancers cutanés et leur traitement, et puis surtout comment se protéger et également quand s'inquiéter devant l'apparition d'une lésion cutanée. Docteur, je vous remercie encore. Je remercie tous les participants qui vont ouvrir grand leurs oreilles en ce début d'été et je vous laisse la parole. Merci encore. Alors, je vous remercie pour cette introduction et je vous remercie aussi de m'avoir invité, de me donner l'occasion de partager avec vous une thématique qui m'est très chère et qui est ma thématique en effet d'intérêt, qui sont les cancers cutanés. Je pense que c'est bon, vous voyez bien ma présentation. Parfait. Donc, comme on vous l'a dit un petit peu en introduction, j'ai, on va dire, 40-45 minutes pour vous exposer, pour parler avec vous des cancers cutanés. Mais il me semblait avant tout et avant de commencer de planter, on va dire, le décor et brièvement de vous expliquer ce qu'est la peau et en particulier l'anatomie de la peau. Comme vous le savez, donc, c'est l'enveloppe du corps humain qui est en continuité avec les muqueuses qui recouvrent les cavités naturelles de l'organisme. Des petites données, hein, tout le monde n'est peut-être pas au fait là-dessus. Il faut savoir que c'est le plus gros organe du corps humain qui représente un tiers du poids de l'organisme, donc lourd. Et chez un adulte de corpulence normale, entre guillemets, sa surface est de l'ordre de 2 mètres carrés. En fait, quand on parle d'anatomie de la peau et de dermatologie, on a la peau et les différentes couches, on va y revenir tout de suite, et il y a également ce qu'on appelle les annexes cutanées, représentées par les fanaires, les poils et les ongles, et différentes structures annexes que l'on retrouve au sein des couches de la peau, on va y revenir, qu'on appelle les glandes sébacées, sudoripares, apocrines et crines. On ne rentrera pas dans les détails, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ces différentes glandes jouent un rôle, par exemple, dans la transpiration, dans la production de certains médiateurs ou de certaines hormones. Nous, ce qui va nous intéresser, donc, c'est la peau à proprement parler, avec trois couches. L'épiderme, qui est la couche la plus superficielle, donc directement en contact avec l'environnement extérieur. En dessous de l'épiderme, le derme, ici, avec une jonction, une structure qu'on appelle la jonction dermo-épidermique, et ça a son importance dans le mélanome, on va y revenir. Entre l'épiderme et le derme, et la couche la plus profonde de la peau, qu'on appelle l'hypoderme. Et en dessous de l'hypoderme, on a d'autres structures qu'on appelle les fascias, et ensuite les structures musculaires. On n'est plus, on va dire, dans le domaine de la dermatologie. Le dermatologue, de façon un peu simplifiée, mais c'est ça, on s'arrête en dermatologie à l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et si vous voyez, on zoome au niveau de l'épiderme, donc de la couche la plus superficielle de la peau, elle-même est sous-divisée en plusieurs couches. Ici,
la couche cornée, donc la couche la plus superficielle, différentes sous-couches, et ici on retrouve la fameuse membrane basale qui sépare l'épiderme du derme. Et c'est au niveau de cette membrane basale qu'il y a notamment ce qu'on appelle les mélanocytes, représentés ici en marron, et on va y revenir, hein, vous me voyez venir je pense, ce sont ces cellules qui sont impliquées dans le mélanome. Mais il y a d'autres constituants cellulaires dans l'épiderme, les kératinocytes, qui en fait sont les constituants majoritaires. 80% des cellules de l'épiderme sont des kératinocytes. Et ce sont ces cellules, les kératinocytes, qui sont impliquées dans les carcinomes basocellulaires et épidermoïdes, dont on va reparler tout à l'heure. Il y a deux autres types cellulaires, donc vraiment dans l'épiderme, il y a quatre types cellulaires. Les kératinocytes, quasiment 80%, les mélanocytes, quasiment 20%, et beaucoup plus rares, les cellules de Langerhans, qui sont des cellules de l'immunité, et les cellules de Merkel, qui jouent le rôle de récepteurs, donc, qui sont présentes en des proportions beaucoup, beaucoup plus faibles, mais qui peuvent également dégénérer et donner notamment ce qu'on appelle des carcinomes de Merkel, qui sont des cancers cutanés très rares, mais potentiellement très agressifs. Donc nous, notre focus aujourd'hui va se faire sur cette couche épidermique, et en particulier sur les kératinocytes pour les carcinomes et sur les mélanocytes pour les mélanomes. Avant de parler de cancer, il faut parler de photobiologie, parce que comme vous le savez, je pense, pour la plupart, les UV sont directement impliqués dans ce qu'on appelle la photocarcinogénèse, c'est-à-dire la survenue de cancer cutané. Dans les spectres de la lumière, il y a donc, en fonction de la longueur d'onde, on ne va pas rentrer dans les considérations biophysiciennes, mais il y a ce qu'on appelle les infrarouges, de longueur d'onde de 750 nanomètres, qui ne nous intéressent pas spécialement en dermatologie, en cancer cutané. Mais à l'opposé, sur des longueurs d'onde beaucoup plus étroites, ce qu'on appelle les ultraviolets. Et entre les deux, entre les ultraviolets et l'infrarouge, il y a tout ce qu'on appelle le spectre visible pour l'homme, ce qu'on appelle la lumière. Mais nous, ce qui nous intéresse en particulier en dermatologie, vous allez voir d'ailleurs pas que dans les cancers cutanés, mais en dermatologie au sens large, ce sont les ultraviolets. Les ultraviolets, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, il y a les UVC, B et A. Les UVC, on n'en entend pas trop parler et ils ne nous intéressent pas, heureusement car ce sont les plus agressifs, mais heureusement parce qu'ils sont arrêtés par la couche d'ozone. Donc les UVC n'arrivent pas à la surface de la Terre et en particulier n'arrivent pas sur notre peau, donc ils ne sont pas impliqués en cancérologie cutanée, à l'inverse des UVB et des UVA dont on va reparler. Les UV, c'est bien sûr la principale cause de cancer cutané, mais on verra, ce n'est pas la seule cause. Mais n'empêche, 70 à 90% des cancers cutanés seraient, alors ce sont des fourchettes, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des cancers cutanés sont ce qu'on appelle photo-induits, c'est-à-dire induits par les UV, et en particulier les UV naturels du soleil. Si bien que l'exposition solaire est classée comme un cancérigène, au même titre par exemple que le tabac, pour le cancer du poumon ou d'autres cancers, au même titre que l'alcool, l'exposition au soleil est classée cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, depuis 1992. Et l'exposition aux UV artificiels, donc les UVB et les UVA qu'on retrouve dans les cabines de bronzage, eux, sont classés cancérigènes. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus récent, depuis 2009, et ça a fait un gros débat sur vraiment l'imputabilité des UVB et des UVA artificiels en cabine et des cancers cutanés. Parce qu'on sait aussi que les patients qui vont dans des cabines à UV sont des patients qui ont une attirance, on va dire, naturelle aux expositions solaires. Donc, il y a eu pendant longtemps pas mal de débats sur le fait que les UVB et A artificiels étaient ou non responsables de cancer cutané. C'est maintenant clairement établi que c'est un facteur de risque au même titre que les UV naturels, c'est-à-dire ceux émis par le soleil. Je vous l'ai dit, les UVB, c'est ceux qui vont arriver sur la couche la plus superficielle, autrement dit au niveau de l'épiderme. Les UVA, eux, vont pénétrer plus en profondeur au niveau de l'épiderme, mais surtout vont atteindre le derme. Et je vous rappelle, les UVC, eux, ne nous concernent pas, ils sont stoppés par la couche d'ozone. Les UVA, c'est 95% des UV solaires qu'on reçoit. Je viens de vous le dire, ils pénètrent l'épiderme et surtout le derme. Ils jouent un rôle dans la diminution de nos défenses immunitaires. Ils altèrent le fonctionnement des cellules et entraînent surtout ce qu'on appelle la production de radicaux libres à l'origine du photovieillissement et de la photocarcinogénèse, c'est-à-dire de l'apparition de cancers cutanés. Alors ça, c'est une photo que vous retrouvez sur Google Images, et en fait, qui avait été publiée dans un grand journal de médecine. On a pas mal entendu parler pendant le Covid, ce qu'on appelle le New England Journal of Medicine, qui commence à dater. C'était une publication des années 70. Et ce monsieur, en fait, était camionneur et a donc été pendant toute sa vie professionnelle exposé à travers la fenêtre, mais vous voyez que du côté gauche.
Et donc, exclusivement, cette zone était exposée aux UV. Et on voit la différence, c'est démonstratif, c'est caricatural, mais la différence de peau entre la zone exposée ici, avec des signes de photovieillissement, et la zone non exposée, où la peau est de structure d'apparence normale. Ça, c'est ce qu'on appelle le photovieillissement, donc induit en particulier par les UVA, et la photocarcinogénèse, on va y revenir avec les carcinomes. Et puis, il y a les UVB, donc là, c'est le reste, hein, 95% les UVA, 5% les UVB. Ils sont bloqués au niveau de l'épiderme. C'est eux qui sont responsables de ce qu'on appelle le coup de soleil. Il faut savoir que le coup de soleil, il est utile en soi, parce que c'est un signal d'alerte qui est envoyé à nos cellules, à notre organisme, et à nous, en l'occurrence, comme quoi le soleil commence à créer des dégâts. Et in fine, ces UVB vont induire des altérations de l'ADN, à l'origine, on va y revenir, de mutations, donc, et enclencher le processus de cancérogénèse, donc de l'apparition de cancer cutané. Alors, la fonction sociale du bronzage, c'est lancé, souvent on cite ça, par Coco Chanel, et ça a été vulgarisé par les congés payés, et c'est assez intéressant de voir comme il y a eu d'un coup une augmentation de l'incidence, de la fréquence des cancers cutanés avec l'arrivée des congés payés. C'est d'ailleurs comme ça, c'est d'abord par des constatations épidémiologiques, hein. On s'est rendu compte que quand les congés payés sont arrivés, forcément, qu'est-ce que ça a impliqué ? Que les gens descendaient, voyageaient dans le sud de la France pour aller rechercher le soleil. Et à ce moment-là, les courbes d'incidence des cancers cutanés, en particulier les carcinomes et le mélanome, ont décroché et ont cessé d'augmenter et ne cessent d'augmenter depuis. Donc, c'est d'abord sur des constatations toutes simples épidémiologiques qu'on s'est rendu compte que le soleil n'était pas bon. Et donc, ça date, vous voyez, de l'après-guerre. Alors, on va parler de cancer cutané, de tous les méfaits du soleil, mais bien sûr que le soleil a de bons effets. Ça, c'est une source de chaleur, je ne l'apprendrai à personne. Ça joue un rôle sur l'humeur. On se rend bien compte qu'on est souvent de bien meilleure humeur en période estivale, pendant l'été, certes parce qu'il y a les vacances, mais aussi parce que le soleil, et avec des raisons de production de neuromédiateurs, notamment de bêta-endorphine, joue un rôle dans l'humeur, avec un rôle positif. On sait aussi que le soleil joue un rôle dans la synthèse de la vitamine D, qui est indispensable à la prévention de ce qu'on appelle le rachitisme, donc également l'ostéoporose, en particulier à partir d'un certain âge, plutôt chez les femmes ménopausées. On sait qu'il y a une fragilité osseuse, une diminution du capital veineux, notamment due à des déficits en vitamine D, et le soleil intervient directement dans cette synthèse de la vitamine D. Et ça, il est indéniable. L'idée, ce n'est pas non plus de, à travers cette présentation, de dire qu'il faut vivre à l'ombre et la nuit, parce que le soleil, c'est indispensable pour toutes ces raisons, notamment. Et en plus, nous, paradoxalement, on n'arrête pas de dire, dermatologue, qu'il faut faire attention au soleil, que ça donne des cancers cutanés, mais en fait, on est les premiers à se servir des UV artificiels, en l'occurrence, voire même naturels. On dit parfois à des patients qui ont certaines dermatoses, certaines maladies de peau, d'aller se mettre au soleil. Parce que c'est clairement démontré que les UV naturels, c'est ce qu'on appelle l'héliothérapie, lorsqu'on dit aux patients d'aller s'exposer un peu au soleil, ou les UV artificiels, on en revient à ces fameuses cabines de bronzage, entre guillemets, de photothérapie, sont hyper utilisées par les dermatologues pour plein de raisons médicales. Je vous ai cité certaines dermatoses, certaines maladies de peau qui sont plus ou moins connues, le psoriasis que vous voyez ici, la dermatite atopique ou l'eczéma qu'on voit ici, il y a ce qu'on appelle le lichen plan, qui est une autre. Tout ça, ce sont des maladies inflammatoires de la peau qui sont souvent très handicapantes parce qu'elles grattent, parce qu'elles sont inesthétiques. Et un des premiers traitements, c'est l'exposition aux UV, donc soit naturelle de soleil, soit artificielle des UV, des cabines de photothérapie. Et bien sûr, il y a des contre-indications. L'exemple typique, c'est un patient qui a un antécédent de cancer cutané ou un patient qui a une peau très claire, et on va y revenir tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'il a un psoriasis ou un eczéma qu'il va falloir le mettre sous photothérapie ou lui dire d'aller se mettre au soleil tout l'été, parce que sinon, on risque pour le coup de lui développer un cancer cutané. Tout ça pour dire que nous-mêmes, dermatologues, on se sert énormément des UV en thérapeutique. Et les méfaits, dont on va parler plus en détail maintenant. Alors, à court terme, le coup de soleil, à la rigueur, vous me direz, ce n'est pas bien grave, ça fait mal, ça pèle, c'est très transitoire, mais voilà, c'est le premier effet. À long terme, je vous ai déjà montré cette photo, donc le photovieillissement, et on voit bien, comme le tabac, le soleil, c'est un processus d'accélération du vieillissement cutané. Vous voyez cette photo ici, on le voit beaucoup, ça c'est ce qu'on appelle la nuque rhomboïdale, qu'on voit beaucoup chez les personnes d'un certain âge, on en voit beaucoup sur la région, et bien on voit que la nuque, qui est une zone particulièrement exposée au soleil, a cet aspect ridé,
tout simplement parce qu'il y a des dommages qui ont été produits par les UV au niveau du derme, donc de la couche intermédiaire de la peau. Il y a encore une autre photo, je pense qu'on en a tous vu dans la région, qui est une région particulièrement ensoleillée. Il y a aussi des maladies inflammatoires qui sont soit déclenchées, soit exacerbées, donc aggravées par le soleil. Il y a ce qu'on appelle les processus de phototoxicité. Donc, il y a un produit qui est appliqué sur la peau, soit un aérosol, soit un produit, une crème, auquel se surajoutent les effets du soleil et donne un aspect très, très aigu, très inflammatoire, très rouge. Et vous voyez ici, hein, très photodistribué. On peut imaginer que ce patient, en fait, il avait appliqué un aérosol sur la peau auquel s'est rajoutée donc une exposition au soleil. Et vous voyez la réaction très rouge, très inflammatoire et qui s'arrête pile à l'endroit où le T-shirt commence, ce qui montre bien le côté photodistribué et photodéclenché, donc déclenché par les UV. Il y a des phénomènes photoallergiques et il y a aussi tout ce qu'on appelle les photodermatoses. Donc, dès qu'on a le terme photo, c'est pour le soleil, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dermatoses qui sont aggravées ou déclenchées par le soleil. Là, c'est un exemple de lupus, qui est une maladie auto-immune. Ça, c'est un exemple de porphyrie. On ne rentrera pas dans le détail de ces dermatoses, mais il faut savoir qu'il y a aussi des dermatoses qui sont exacerbées, déclenchées ou aggravées par le soleil. Et puis, ce pourquoi on discute ce soir, les cancers cutanés. Donc, 70 à 90% des cancers, je vous l'ai dit, sont dus au soleil. Et dans les cancers cutanés, 70-80% des cancers cutanés sont des carcinomes, en particulier basocellulaires. Mais vous verrez qu'il y a aussi des formes épidermoïdes et de Merkel. Et vous vous souvenez, hein, tout se passe ici, en fait. Les cellules impliquées sont les cellules qu'on a au niveau de l'épiderme. Les kératinocytes pour les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes, c'est la même cellule à l'origine. Et la cellule de Merkel à l'origine du carcinome de Merkel. Et les mélanocytes pour les mélanomes. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres cancers cutanés qui, pour le coup, sont volontiers indépendants du soleil, notamment ce qu'on appelle les lymphomes cutanés. On connaît les lymphomes dans les ganglions, les lymphomes dans le foie, la rate, mais il y a aussi des lymphomes qui se développent primitivement au niveau de la peau. Donc, il y a vraiment d'autres variétés de cancers et qui sont beaucoup moins fréquents et qui, en plus, ne sont pas dus au soleil. Alors, ça, c'est une diapositive un petit peu complexe, mais c'est juste pour essayer de comprendre que justement, le processus de survenue d'un cancer, c'est un processus compliqué qui fait intervenir plusieurs facteurs de risque et qui va faire intervenir plusieurs choses. Si on prend l'exemple du cancer cutané induit par les UV, c'est ce qui nous intéresse. On considère en particulier les UVB parce qu'ils vont entraîner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des dommages sur l'ADN et entraîner des mutations. Ces mutations vont déréguler la cellule parce que normalement, une cellule normale, elle est programmée pour se développer, se diviser, mais à un moment donné, s'arrêter et finir par mourir. Et à l'inverse, un cancer se caractérise, on va dire, par une cellule qui devient immortelle et qui se dérégule dans sa prolifération. Donc, c'est ce qu'on appelle la dérégulation du cycle cellulaire. En plus, la cellule cancéreuse, malheureusement, elle est intelligente parce qu'elle se sert énormément de son environnement. Et donc, ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral joue un rôle majeur en cancérologie, cutané, mais en fait pour tous les cancers, parce que ce micro-environnement va apporter à la cellule cancéreuse l'alimentation, les nutriments dont elle a besoin pour proliférer et malheureusement grossir. Je vous l'ai dit, cette cellule cancéreuse, elle se caractérise par son côté immortel, à l'inverse d'une cellule normale. D'autres termes un peu complexes, qu'on appelle la néoangiogénèse. Une tumeur, une prolifération de cellules cancéreuses est très vascularisée, donc par des vaisseaux, et ce sont les vaisseaux qui apportent l'oxygène dans n'importe quel organe, y compris dans les tumeurs, là aussi pour permettre à la tumeur de vivre. Et autre particularité, ça rejoint un peu l'immortalité, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, qui est peut-être un terme un petit peu connu, hein, qui est en fait l'échappement à la mort cellulaire. La cellule cancéreuse échappe au processus de mort cellulaire pour justement proliférer. Et si on revient à nos cancers cutanés, on a nos cellules normales, on a l'effet de notre carcinogène, donc la photoexposition, l'exposition aux UV, et la cellule va commencer à proliférer, tout d'abord au niveau de l'épiderme, donc que ce soit un kératinocyte ou un mélanocyte, petit à petit donc donner de plus en plus des cellules tumorales, pour ensuite franchir, si vous vous souvenez bien, la membrane basale, donc qui sépare l'épiderme du derme, pour aller en profondeur et éventuellement elle est à distance. Alors,
les choses un peu plus pratiques, on commence par le carcinome basocellulaire. C'est le cancer le plus fréquent, c'est le cancer cutané le plus fréquent. Vous l'avez vu, vous voyez, c'est 80% des cancers cutanés. Mais en fait, c'est le cancer, tout organe confondu, le plus fréquent. C'est un âge moyen de survenue, 64 ans. Et en fait, on se rend compte, c'est ce que je vous mets avec la flèche qui descend, que de plus en plus, on diagnostique des carcinomes basocellulaires chez des sujets jeunes. Alors, pour plusieurs raisons, parce qu'on est plus sensibilisé, parce que les gens vont plus volontiers chez le dermatologue, donc on les diagnostique plus tôt qu'il y a quelques années, mais aussi parce que les générations, alors maintenant de moins en moins, mais il y a une génération qui s'est clairement exposée au soleil et qui maintenant approche les 50, 60 ans. Et donc, on a vu cet âge moyen diminuer. Le risque moyen, vous voyez cette phrase, d'un caucasien, donc d'un sujet européen, de développer un carcinome durant sa vie de 30%, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et donc, vous l'avez bien compris que le principal facteur de risque du carcinome basocellulaire, c'est l'exposition aux ultraviolets et chronique. Chronique, ça veut dire dans le temps. C'est pour ça quand même que c'est un cancer qui n'apparaît pas à 20 ans, 30 ans, qui apparaît à 50, 60, 70 ans, 80 ans, parce que justement, c'est l'effet cumulatif tout au long de la vie qui va aboutir au carcinome basocellulaire. Ça a son importance parce que mélanome, on va voir tout à l'heure, ce n'est pas toujours le cas. Alors, comment on fait le diagnostic d'un carcinome basocellulaire? Première chose, on le suspecte selon sa localisation parce que c'est quasiment tout le temps un cancer de la peau localisé sur les zones exposées au soleil, pour les raisons qu'on vient d'expliquer, et donc dans l'immense majorité des cas, au niveau de la tête et du cou, ou parfois dans d'autres régions exposées, la face dorsale des mains, la nuque, mais vraiment, vous le voyez par ce diagramme, camembert, là, 80% des carcinomes sont au niveau de la tête et du cou, comme vous voyez en bleu. Lorsqu'on a cette suspicion donc par l'œil nu, le dermatologue à l'habitude, on fait une biopsie. Donc, vous voyez, c'est ce petit appareil qu'on appelle un punch avec une petite anesthésie locale en ambulatoire et on fait un prélèvement de l'ordre de 3 à 4 mm qu'on va envoyer dans un laboratoire pour l'analyser. Une fois qu'on a la confirmation du diagnostic, qu'est-ce qu'on fait dans un second temps? Ça prend à peu près 7 à 10 jours pour avoir le diagnostic. Il va falloir le traiter et le traitement du carcinome basocellulaire, il faut le retenir, c'est la chirurgie, qui permet dans l'immense majorité des cas de traiter le carcinome, parce que certes, c'est un cancer qui est très fréquent, c'est le cancer le plus fréquent, tout organe confondu, comme je vous l'ai dit, mais c'est quand même, il faut rassurer aussi les gens, un cancer de très bon pronostic. Une fois que c'est retiré chirurgicalement, dans l'immense majorité des cas, on n'entend plus parler. Mais la seule chose, comme vous l'aurez compris, c'est que, on va le voir tout à l'heure, c'est que ça fait le lit. Les facteurs de risque du basocellulaire sont les mêmes facteurs de risque que le carcinome épidermoïde, et on va voir que c'est déjà potentiellement un peu plus embêtant, et également du mélanome. Donc, il faut rassurer les patients parce que le carcinome va être traité, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faudra pas le surveiller. Ce sont des patients qu'il faut surveiller parce qu'ils peuvent développer d'autres cancers cutanés. Il faut donc informer les patients qu'il faut, une fois que la tumeur a été traitée, continuer à se protéger de façon rigoureuse. En rappelant, on verra à la fin que la meilleure des protections, ça reste quand même la protection vestimentaire, en plus des écrans solaires sur les zones qui, justement, ne sont pas protégées par le soleil. Alors, quelques photos. Il faut savoir qu'il y a différentes formes de carcinome basocellulaire, ce qu'on appelle des formes superficielles, donc qui restent dans cette fameuse couche de l'épiderme, et des formes plus invasives. Mais attention, parce que invasif, c'est un mot qui fait peur, mais en fait, les carcinomes basocellulaires invasifs, ils sont allés un peu plus profond dans la peau, dans ce qu'on appelle donc dans le derme, mais ça reste des carcinomes, je me répète, de bon pronostic. Avec une chirurgie, dans l'immense majorité des cas, on règle le problème. Il faut savoir également qu'il peut parfois, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de traitements alternatifs, on peut, mais que dans les formes superficielles, traiter ces carcinomes par une crème qu'on appelle l'Aldara. Donc pendant plusieurs semaines, il y a quand même des réactions, le but c'est de détruire ce cancer, mais il y a des possibilités parfois de faire des applications tous les jours pendant plusieurs semaines d'une crème qu'on appelle l'Aldara. Mais le traitement de référence reste la chirurgie, parce qu'en plus, ça permet d'analyser complètement la lésion qui est retirée. L'autre cancer, c'est le carcinome épidermoïde cutané. Après le carcinome basocellulaire, il vient en deuxième position, mais vous voyez quand même, il y a deux, alors les fourchettes sont toujours un peu larges, 2 à 4 fois plus de carcinome basocellulaire qu'épidermoïde. Pareil, dans 80-90% des cas, c'est au niveau de la tête et du cou. Encore une fois, parce que ce sont les UV qui sont responsables de ce type de cancer. Pour les mêmes raisons que pour le carcinome basocellulaire, mais il y a une incidence qui n'a fait qu'augmenter depuis des décennies. L'âge médian, ça arrive un peu plus tard historiquement, vous voyez, on est plus sur 70-80 ans, mais encore une fois, là aussi, le diagnostic est souvent fait plus précocement parce que les patients sont plus sensibilisés, parce que les médecins sont plus sensibilisés, mais aussi parce qu'on s'est plus exposé au soleil ces dernières décennies.
La démarche diagnostique, c'est la même. On fait une biopsie en ambulatoire, toujours avec ce petit instrument qu'on appelle un punch. Et il faut quand même retenir que l'immense majorité des carcinomes épidermoïdes sont là aussi de bons pronostics. Mais parfois, il y a quand même une petite nuance. Il peut y avoir des formes agressives, des formes qui peuvent évoluer des fois dans les ganglions, voire dans les organes internes, en particulier le poumon. Donc, ça reste une, on va dire vraiment un sous-type de carcinome épidermoïde rare, heureusement, mais il faut quand même avoir en tête que le carcinome épidermoïde est potentiellement plus agressif. Le traitement, c'est le même que le carcinome basocellulaire, c'est la chirurgie. C'est le traitement de référence, une chirurgie qui emporte complètement la tumeur, auquel on associera, comme tout à l'heure, la photoprotection, même une fois que la tumeur est retirée, justement pour éviter qu'il y ait l'apparition d'autres carcinomes dans les années qui suivent, protection vestimentaire et l'écran solaire. Quelques photos. Alors, on va commencer à droite. Donc là, encore une fois, carcinome épidermoïde cutané pour CEC. Donc, il y a des formes invasives. Vous voyez déjà qu'à l'œil nu, hein, c'est une tumeur qui est un cancer potentiellement plus agressif. On le devine quand on voit ce type de tumeur. Ça peut être également des formes superficielles. Donc, comme pour le carcinome basocellulaire, ça reste dans les couches superficielles de la peau, l'épiderme, et on parle, ça a un nom propre qu'on appelle la maladie de Bowen. Dans ces deux situations, le traitement de référence reste la chirurgie. Ici, il n'y a pas le choix, exclusivement la chirurgie, à part des situations exceptionnelles. Ici, on peut faire de la chirurgie, ou là aussi, vous avez peut-être entendu parler encore une fois de l'Aldara, mais également de l'Effudix, qui est une autre crème. Ce sont des chimiothérapies locales. Ce sont quand même des crèmes qui ont des effets secondaires qui ne sont pas anodins. Mais on peut parfois utiliser ces alternatives quand la chirurgie est trop compliquée, ou la localisation, ou que le patient n'a pas envie. Ou aussi, même si on fait de moins en moins, la neige carbonique, l'azote liquide. Et juste une particularité, c'est qu'en fait, et ça vous en avez certainement déjà vu, parce que c'est hyper fréquent, les carcinomes épidermoïdes peuvent être développés sur des lésions précancéreuses. On appelle les kératoses actiniques. Donc ce sont ces lésions rouges, croûteuses, encore une fois, sur des zones exposées au soleil. Donc là, c'est démonstratif au niveau du front. C'est très fréquent. Pareil, il faut rassurer les patients. Ce n'est pas grave. Ça peut dégénérer en cancer épidermoïde, en carcinome épidermoïde, mais c'est un processus qui est très long, qui va prendre des décennies, et ce n'est pas systématique. On dit classiquement que c'est 20 à 30% des kératoses actiniques qui vont se développer, qui vont dégénérer en carcinome. Et donc pour éviter ça, toujours pareil, photoprotection, vestimentaire, la casquette, le chapeau pour le crâne, et on peut faire de l'azote liquide, pour le coup, ça on le fait plus volontiers, où on retrouve également les crèmes Effudix et Aldara. Donc ça, c'est très très fréquent. Sur le crâne des hommes dégarnis, sur le front, sur les faces dorsales des mains, on voit souvent ces kératoses actiniques. Et donc le mélanome. Alors le mélanome, il a mauvaise presse pour de très bonnes raisons, mais on va voir aussi que là aussi, il y a un panel très large de sous-types de mélanome. Alors déjà, il faut savoir que c'est un cancer dont l'incidence a augmenté à peu près de 10% par an depuis 50 ans. Je vous l'ai dit en introduction, vraiment toutes les courbes épidémiologiques ont montré qu'avec l'arrivée des habitudes d'exposition au soleil, des congés payés, les courbes d'incidence du mélanome se sont tout de suite montées de façon exponentielle. C'est si bien qu'aujourd'hui, c'est parmi les premiers cancers en termes d'augmentation d'incidence. Mais ça reste un cancer qui est très rare. Il faut bien faire la distinction. C'est un cancer dont l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas par an, augmente énormément. Et par contre, vous voyez, 13e cause de cancer chez la femme, 7e cause de cancer chez l'homme. Alors, ça change d'année en année ou selon les données épidémiologiques, mais on est bien loin derrière le cancer du poumon chez l'homme et chez la femme, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme ou encore le cancer du côlon. Le mélanome est bien plus rare, mais vous voyez, par contre, en termes de nouveaux cas, là, par contre, le mélanome est parmi les plus fréquents. Pour la petite information, le cancer dont l'incidence a le plus augmenté, c'est ce qu'on appelle le carcinome de Merkel, dont je vous ai très très brièvement parlé tout à l'heure, parce que c'est rarissime, mais par contre, il ne fait qu'augmenter, et parce que c'est également un cancer qui peut être dû au soleil. Et vous voyez sur la courbe du monde, elles sont les populations touchées par le mélanome, l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, l'Afrique du Sud et l'Australie. Et alors, pourquoi l'Australie? Vous voyez, la population, l'incidence en Australie, c'est un problème majeur de santé publique en Australie. Dès les écoles maternelles, dès la petite enfance, les enfants sont sensibilisés au risque de mélanome.
Ce risque de mélanome, bien sûr, il concerne les Australiens d'origine caucasienne et non pas les aborigènes. Et en fait, tout simplement, ce que vous savez, historiquement, les Australiens, ce sont des bagnards qui ont été envoyés donc, depuis le Royaume-Uni en Australie. Donc, en fait, ce sont des anglo-saxons qui sont sous les tropiques, donc qui, historiquement, n'ont rien à faire. Leur peau, leurs kératinocytes, leurs mélanocytes n'ont rien à faire en Australie. Donc, ce sont des patients très clairs, une population très claire de peau, à l'exception des aborigènes, qui ne sont pas concernés justement par le mélanome, et donc qui vivent dans des zones où l'indice UV est maximal, et donc c'est pour ça, et en plus, il y a des habitudes de vie, on le sait, les Australiens sont très sportifs, ont des habitudes de vie en plein air, et donc c'est vraiment un problème majeur de santé publique, le mélanome en Australie. L'âge moyen de survenue, ben vous voyez, 56 ans, on dit aussi que le mélanome, c'est un des cancers qui survient le plus tôt. Là, pour le coup, on est bien plus bas. En moyenne, un cancer, c'est 75 ans. Le mélanome, vous voyez que l'âge moyen de survenue, c'est très tôt pour un mélanome, c'est 56 ans. Et on voit en plus que cet âge de diagnostic de survenue diminue. Un peu pour les mêmes raisons que expliquées tout à l'heure, ça diminue certainement parce qu'on les dépiste plus précocement, parce que la population générale est plus sensibilisée, donc on peut plus voir les dermatologues plus tôt, et aussi parce que on s'est exposé pendant des années au soleil. En 2012, il y a eu à peu près 12 000 nouveaux cas de mélanome en France. Ça a été réactualisé, excusez-moi, je ne l'ai pas mis, en 2015, les données de l'INCa ont réactualisé, on est à peu près à 20 000 nouveaux cas. Donc, ça montre ce que je vous dis, c'est que ça continue à augmenter. Et à peu près 1500 en 2012 et 2000 décès en 2015 liés au mélanome. Donc, on est bien, bien loin derrière les chiffres des autres cancers, poumons, prostate ou encore cancer du sein chez la femme. Alors, les facteurs de risque de mélanome, quand on fait le cours aux étudiants, on dit toujours qu'il y a deux types de facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque acquis, pour lesquels on peut lutter, nous justement, médecins, ce type de réunion, où on peut être acteur, et il y a ceux pour lesquels on irrite, entre guillemets, ou pour lesquels on est un peu plus passif, inactif. Les facteurs de risque acquis, on en parle depuis tout à l'heure, ce sont les expositions aux ultraviolets, on l'a bien compris, naturel au soleil et les UV. On sait que se protéger du soleil, en particulier dès la petite enfance, ça va minimiser le risque de mélanome. Et les facteurs de risque constitutionnels, il y a le phototype 1 à 6. Donc, le phototype 1, on va voir tout à l'heure, c'est le phototype clair, les roux avec taches de rousseur, qui est le phototype le plus à risque de mélanome. Et à l'inverse, le phototype 6, ce sont les sujets à peau noire, qui est à faible risque de mélanome. Les phototypes 6, les sujets à peau noire font des mélanomes, mais qui ne sont pas dus au soleil. Qui sont dus à, on ne sait pas, les facteurs de risque, mais clairement, ce n'est pas dû au soleil. Comme autre facteur de risque, c'est les antécédents personnels et familiaux de mélanome. En fait, c'est important, le fait d'avoir eu un mélanome augmente le risque d'en faire un second. C'est pour ça qu'un patient qui a eu un mélanome, même de très bon pronostic, une fois qu'il a été opéré, on va le suivre, déjà parce qu'il peut faire également un carcinome, comme vous l'avez compris, c'est les mêmes terrains, mais parce qu'il peut faire un second mélanome. Et également les mélanomes familiaux, c'est-à-dire des parentés du premier degré. On sait que le fait que son papa, sa maman, son frère, sa sœur aient eu un mélanome augmente le risque intrinsèquement de faire un mélanome en dehors de tout gène impliqué. C'est juste une susceptibilité. Il y a certaines formes dites familiales dues à des mutations, mais qui sont vraiment beaucoup plus rares. Il y a aussi le nombre de grains de beauté. Le terme médical dermatologique pour grains de beauté, c'est névus. Et on sait que quand il y a un nombre important de névus, souvent c'est 50, la limite fixée, ça augmente le risque de mélanome. Il y a ce qu'on appelle les névis, donc le grain de beauté congénital, présent dès la naissance. Géant, avec des calculs estimés, c'est-à-dire à l'âge adulte à 40 cm. On sait également que c'est un facteur de risque. Attention, parce que souvent c'est ce qui inquiète, le côté pileux, les poils, sur un grain de beauté, congénital, comme vous voyez ici, lui, pour le coup, n'a pas du tout de valeur péjorative. C'est juste inesthétique, mais ça ne veut rien dire. Et après, il y a des maladies rarissimes. Notamment, on en a entendu parler il y a quelques années avec un film de Vincent Landon, ce qu'on appelle le xéroderma pigmentosum, c'est ce qu'on appelle les enfants de la Lune, qui sont des maladies génétiques rarissimes, mais qui prédisposent au cancer cutané, notamment le mélanome, mais également les carcinomes. Donc ça, c'était une petite diapositive pour les différents phototypes. Phototype 1, le roux, classiquement, qui ne bronze pas, qui n'a jamais bronzé, qui vous expliquera que dès qu'il va au soleil, il a des coups de soleil. Le phototype 2, c'est une peau blanche qui brûle facilement, mais qui a peut-être déjà bronzé un petit peu et dans sa vie quelques fois, une ou deux fois. Et puis petit à petit, on monte. Le phototype 4, peau mate, c'est essentiellement les maghrébins,
chez nous. Le phototype 5, on n'en a pas trop parce que c'est une classification américaine. Et ce sont surtout c'est les Afro-Américains ou les Indiens, les Pakistanais, les Hindous, qu'on n'a pas trop en Europe occidentale, sauf pour la raison d'immigration, voilà, mais c'est une population, un phototype qu'on n'a pas trop, à l'inverse des phototypes suivants et les phototypes 6, donc les peaux noires. Et donc, plus on est de phototypes clairs, plus le risque de cancer cutané, donc de mélanome, est important. Alors, comment il faut s'alerter? Quand est-ce qu'il faut penser à un mélanome? Il faut savoir que dans la majorité des cas, c'est une lésion qui apparaît pigmentée. Alors, le piège aussi, attention, ce n'est pas toujours pigmenté, on verra quelques photos. Et en fait, c'est plus rare, plus rarement que c'est la transformation d'un grain de beauté, d'un nébus, en mélanome. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, je vous l'ai dit au début, on reprend l'anatomie de la peau, on est dans la couche superficielle, l'épiderme, on retrouve ici le mélanocyte, pardon, la couche superficielle, et ici le mélanocyte. Que ce soit un grain de beauté ou névus ou un mélanome, c'est la même cellule, c'est le mélanocyte. Le névus, c'est une tumeur, attention, tumeur, ça ne veut pas dire cancer, hein. C'est une tumeur bénigne. Le névus ou un grain de beauté, ben, tout le monde en a, c'est bénin. Hein. Et c'est ça, mais c'est la même cellule, c'est le mélanocyte qui a proliféré, mais qui au bout d'un moment s'est arrêté de proliférer. Alors que dans le mélanome, ben, c'est le mélanocyte qui, cette fois-ci, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, a échappé au processus de mort cellulaire, etc., et donc est devenu un cancer. Mais c'est la même cellule au départ. Donc, il peut parfois y avoir un continuum entre le névus et le mélanome, mais en fait, ce n'est pas la règle. Vous voyez, c'est 20 à 30%. La plupart du temps, c'est l'apparition d'une lésion. Et ça, c'est très, très important. Peut-être le message à retenir aujourd'hui, c'est qu'à l'âge adulte, parce que bien sûr, pendant l'enfance, l'adolescence, on va créer son capital de grain de beauté, donc ce n'est pas pareil, le raisonnement. Mais à l'âge adulte, une lésion pigmentée qui apparaît doit être suspecte. Mais attention, toute lésion pigmentée n'est pas soit un névus, soit un grain de beauté, un mélanome. C'est pour ça que souvent, quand on dit ça, après, tout le monde s'affole parce qu'on a tous des taches brunes qui apparaissent sur la peau, en particulier à partir d'un certain âge, mais c'est d'autres lésions, la plupart du temps, on va voir, qui ne sont pas des lésions de type névus ou mélanome. Nous, on l'évoque cliniquement ou avec ce petit appareil qu'on appelle un dermatoscope. Vous avez peut-être déjà vu chez le dermatologue, hein, c'est un peu le stéthoscope du dermatologue. Qui est une loupe qui permet de mieux visualiser le grain de beauté. Et il y a une règle qui est la règle ABCDE. Cette règle, pour la petite histoire, elle est enseignée dès l'école maternelle en Australie, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une lésion pigmentée, mais attention, quand c'est une lésion pigmentée mélanocytaire, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un médecin aussi qui peut l'évoquer, et quand une lésion pigmentée devient asymétrique, à chaque fois c'est et ou ou, à des bords irréguliers, à des plusieurs couleurs. Le diamètre, c'est dit, mais ce n'est pas le meilleur critère, mais prend une certaine taille, et surtout, le côté évolutif, et ça revient, c'est ce que je vous disais, l'apparition d'une lésion à l'âge adulte, ou en tout cas une lésion qui est présente depuis des années et qui se met à se modifier en quelques mois, est suspecte de mélanome, ou en tout cas doit faire consulter. Pardon. Et donc, vous voyez, c'est la démonstration de la règle dont je vous parlais. Donc là, on voit qu'elle est asymétrique, la lésion. On voit qu'il y a des bords irréguliers. On voit qu'elle a plusieurs couleurs. Là, elle est marron clair. Là, elle est marron foncé. Là, on voit qu'il y a même une interruption de la lésion. Elle a un diamètre de plus de 6 mm. Mais comme je vous dis, ce n'est pas un très, très bon critère parce qu'il peut y avoir des tout, tout petits mélanomes et des gros grains de beauté. Mais bon, c'est dans la règle. Et surtout, j'insiste au côté évolutif qui doit faire suspecter. Et ça, c'est vraiment un examen médical, hein, le dermatoscope. C'est même les dermatologues qui s'en servent. Nous, ça nous est très utile pour affiner notre démarche diagnostique. Et un autre signe, plus concret, qu'il faut retenir aussi chez vous, c'est le signe qui est un signe qui a été démontré scientifiquement comme ayant un intérêt, le signe du vilain petit canard. Quand on a un individu, un patient qui a beaucoup de grains de beauté, beaucoup de taches, ben, s'il y en a un qui ressort différent des autres, donc le vilain petit canard, ben, il faut consulter peut-être pour ce grain de beauté parce que ça peut être justement un signe que celui-ci a dégénéré en mélanome. Les présentations cliniques, donc je vous en montre quelques-unes, ça vous montre qu'il peut y avoir différents aspects, mais vous voyez, on retrouve toujours ce côté asymétrique, bord irrégulier, plusieurs couleurs, marron foncé, marron clair, et le côté asymétrique, là, très très noir. Donc toutes ces lésions sont suspectes. Il faut savoir également, je vous avais parlé au départ des fanaires avec les ongles, qu'il peut y avoir des mélanomes au niveau des ongles, qui pour le coup ne sont pas dus au soleil. Ça, on ne sait pas, le facteur de risque également. Donc, vous voyez une présentation clinique assez variée. Encore d'autres présentations.
Ça peut être très noir. Ça peut être également sur la plante du pied. On voit une lésion qui est un peu rouge, qui peut saigner, mais vous voyez qu'elle est noire. Donc ça aussi, ça doit alerter. Quand on a une lésion qui est noire, ça doit orienter vers quelque chose d'origine mélanocytaire, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le mélanocyte, la cellule qui est impliquée dans le mélanome, sa fonction première, c'est de produire la mélanine, qui est le pigment responsable de la peau, de la coloration de la peau. Et donc, quand on a une tumeur qui est noire comme ça, c'est qu'on est sûrement sur des mélanocytes, et donc ça doit faire évoquer un mélanome. Mais attention, et ça aussi, c'est à retenir, parce que sinon, quand on finit ces présentations, on se regarde, on se dit, mais j'ai des mélanomes de partout sur mon corps. Non, parce qu'en fait, des grains de beauté, oui, mais la plupart des lésions pigmentées, en particulier qui apparaissent à 60, 70 ans, 80 ans, c'est ni un grain de beauté mélanocytaire, ni un mélanome, ce sont toutes ces tumeurs qui sont bénignes. Alors, attention, je me répète, tumeur, ce n'est pas un cancer. C'est une tumeur. Dans l'acné, on a des lésions tumorales, c'est bénin, ça ne pose pas de problème. Vous voyez, c'est kératoséborique. On en a tous chez nos parents, nos grands-parents, peut-être sur soi, et ça, c'est purement bénin. C'est vrai que ça peut inquiéter. Et ça, un œil averti, un dermatologue, en général, il n'y a pas de doute. Retenir quand même que toute tumeur pigmentée n'est pas synonyme de mélanome, mais en tout cas, ça doit alerter, parce que ça, c'est le rôle du médecin de rassurer et surtout de s'assurer qu'il n'y a pas autre chose. Alors, comment on prend en charge un mélanome ? C'est en plusieurs étapes, là aussi. La première étape, alors à l'inverse de tout à l'heure, on ne fait pas de biopsie dans le mélanome. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un prélèvement juste, par exemple, ici. On va retirer complètement la lésion. En fait, ça permet à l'anatomopathologiste, donc qui est le médecin qui va recevoir le prélèvement et qui va l'analyser au microscope, d'analyser toute la tumeur, tout le mélanome, et qui va nous rendre des critères, on ne va pas rentrer dans les détails, mais des critères qu'on appelle pronostiques, et qui vont conditionner toute la suite de notre prise en charge. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce médecin anatomopathologiste reçoive juste un bout du mélanome. Il doit tout recevoir, donc c'est représenté par le cercle bleu. Donc ça, le patient va en consultation pour dépistage, il a cette lésion, on la retire, souvent en ambulatoire, il y a une fermeture de la plaie, et le patient rentre chez lui, et 10-15 jours après, on reçoit les résultats, le temps de l'analyse. Et il y a différents critères qui vont nous être rendus, et systématiquement, donc ça c'est très très important, il y a une deuxième intervention, ce n'est pas qu'il y ait une faute de la part du médecin au début, ça c'est toujours en deux temps. Première étape, on analyse. Deuxième étape, en fonction des fameux critères qu'on nous a donné le médecin, on reprend la cicatrice pour minimiser le risque de récidive. Et ça, c'est hyper important, c'est obligatoire. Et ça minimise le risque de récidive, à l'inverse, de ne pas le faire augmente le risque. Donc, c'est tout à fait normal de se faire opérer en deux temps pour un mélanome. Alors ensuite, si on revient sur la prévention, parce que c'est ça qui est important, il y a toujours un peu un débat entre les dermatologues, les médecins, de savoir s'il faut éduquer les patients à ce qu'on appelle l'autodépistage, l'autosurveillance. Parce que d'une part, ça peut être très anxiogène. On peut aussi se dire que ce n'est pas le rôle du patient ou de sa famille, parce qu'à la rigueur, c'est souvent l'entourage qu'on sollicite, parce que dans le dos, par exemple, on ne va pas pouvoir se regarder. Et donc, il y a toujours ce côté anxiogène, ou s'il se passe quoi que ce soit, et bien, un jour, on se dira, c'est la faute de mon conjoint, de ma conjointe. Donc ça, c'est un peu du cas par cas, en fonction des dermatologues, ou en fait, en fonction des patients, en fait, on se rend compte aussi qu'il y a certains patients qui vont être très acteurs de leur santé, de leur maladie. Donc clairement, ces patients-là, on va leur apprendre le dépistage, et à d'autres, c'est nous qui les verrons en consultation. Vraiment, le concept d'auto-dépistage, d'auto-palpation, il est à nuancer. Certains patients, oui, clairement, d'autres, non. Ça sera le rôle du médecin. Il y a des surveillances spécifiques aussi, je terminerai là-dessus bientôt. C'est qu'il y a des patients, je vous l'ai dit au début, qui ont parfois de très nombreux grains de beauté, de nombreux névis. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un facteur de risque de mélanome. Et lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup de grains de beauté, ça devient difficile pour un dermatologue de les regarder à l'œil nu. Et de dire au patient, je marque sur mon petit bout de papier que celui-ci il est un peu bizarre, celui-ci il a deux, trois couleurs. Je vous revois dans 6 mois pour voir comment ça a évolué. Ce n'est pas rigoureux. Donc, on a certaines consultations et nous, à l'hôpital, on a notamment 3 médecins qui font ça, mais plusieurs dermatologues libéraux, le font aussi. C'est ce qu'on appelle la surveillance vidéodermoscopique. Ce sont des consultations en règle générale plus longues. Une consultation médicale de dermatologie, c'est 15-20 minutes. Là, ce sont des consultations de 30-45 minutes minimum. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on déshabille le patient, comme toute consultation de dermatologie, et on prend des photos de la tête aux pieds,
à l'envers, à l'endroit, recto verso, comme on dit, et on le met dans un ordinateur. Et comme ça, à chaque consultation, on a numéroté les lésions et on regarde rigoureusement, avec en plus la loupe, le dermatoscope, ben, voir si la lésion s'est modifiée. Il n'y a que comme ça qu'on peut être rigoureux. Et on le propose. Donc, bien sûr, on ne le propose pas à tous les patients, parce que pour certains, ce n'est pas nécessaire. Mais lorsqu'il y a des contextes bien particuliers, donc très nombreux névis, ou ce qu'on appelle le syndrome des névis atypiques, hein, donc ça rejoint un peu ces patients qui ont beaucoup de grains de beauté et en fait plein de vilains petits canards. Donc, ces patients, il faut les surveiller rigoureusement. Ou lorsqu'il y a un terrain familial, donc un risque important de mélanome, on peut proposer cette consultation. L'exemple typique de ce patient que je suis conjointement avec un collègue à l'hôpital pour ses grains de beauté, ben vous voyez que vous imaginez le nombre de grains de beauté. Alors, le vilain petit canard ici, ben c'est impossible de savoir. Hein, on a envie de dire qu'ils sont tous vilains. Vous voyez d'ailleurs qu'il a eu plusieurs exérèses, parfois pour rien, mais bon, voilà, tant qu'on n'a pas retiré la lésion, on ne peut pas savoir. Et ça, c'est typiquement l'exemple d'un patient qu'on suit en vidéodermoscopie tous les 6 mois, tous les ans. Enfin, en l'occurrence, ce monsieur est suivi tous les 6 mois. Et à chaque fois, donc, vous comprenez aussi pourquoi ces consultations sont plus longues. Hein. On prend toutes ces lésions en photo et on les compare à la consultation précédente, éventuellement à celle faite un an, 2 ans auparavant, pour voir s'il n'y a pas eu de modification. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus souvent, ça apparaît, mais il y a cette exception. Chez ces patients-là, il n'est pas rare que ce soit la transformation d'un grain de beauté en mélanome, d'où le côté évolutif. Et je terminerai sur les règles de photoprotection, parce que je pense que c'est vraiment le message important, même si on en a déjà parlé un peu à travers les carcinomes, et c'était valable aussi pour le mélanome. La première chose qu'il faut retenir, c'est que la meilleure des protections, c'est la protection vestimentaire. Et ça, vraiment, on le dit aux patients lors des consultations, un chapeau, une casquette, des vêtements si possible longs. Alors bien sûr que, a fortiori, dans notre région, en plein mois de juillet, en plein mois d'août, on ne va pas dire aux patients de se mettre en jogging et col roulé, mais il y a de plus en plus de vêtements longs, légers. Il faut privilégier la protection vestimentaire parce que c'est ce qui est le plus efficace. Et ce qui n'est pas protégé par les habits doit être protégé par une crème solaire. Il y a des petites consignes aussi. Il faut éviter de s'exposer sur les heures critiques, entre 11h et 15h. Il faut mettre, donc, je vous l'ai dit, de la crème solaire. Les crèmes, il n'y a plus écran total. C'était une publicité mensongère. Maintenant, c'est IP pour indice de protection. Supérieur à 50, c'est l'indice maximal. Donc, bien sûr que pour un roux qui a eu déjà un carcinome, des mélanomes, il faut une protection maximale. Après, je ne dis pas qu'un maghrébin, qu'un phototype mat doit mettre forcément un indice de protection à 50. On adapte bien sûr nos discours aussi aux patients qu'on a en face de nous. Et l'autre point important aussi, ça, j'insiste, on n'a plus d'excuses maintenant. Encore, il y a 20-30 ans, on ne savait pas trop, on commençait à savoir. Mais le coup de soleil bref, intense, dans la petite enfance, avant 15 ans, c'est le facteur de risque du mélanome. Donc, quand on voit des petits de 5, 6 ans, 10 ans, blonds comme les blés, sur la côte, entre midi et deux au soleil, ça, c'est pour ma part criminel. Donc ça, il faut éviter chez ces enfants les expositions aux heures critiques. Il faut les protéger du soleil et il faut vraiment éviter les coups de soleil. Pareil, un coup de soleil ne va pas faire qu'il aura un mélanome à coup sûr à 50 ans. Mais voilà, l'effet répété des coups de soleil dans la petite enfance, c'est le facteur de risque majeur de mélanome. Et voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, docteur. On a appris plein de choses ce soir. Et je pense que malgré ce que vous avez dit, on va tous regarder nos grains de beauté. Oui. En attendant, je vais donner la parole à Emmanuel Soumer, qui est chef de service à la direction de la santé, qui va vous parler de nos podcasts. Oui, bonjour. À la direction de la santé, voilà, on a pour une mission essentielle, c'est de promouvoir la santé et de prévenir les risques, et notamment celui du soleil. Donc là, on vous a un peu vraiment tout expliqué dans le détail, mais vous avez la possibilité d'écouter des podcasts en moins de 14 minutes. Nous avons réalisé, donc il y a un épisode dédié au soleil, aux risques et à comment se prévenir, comment éviter les risques du soleil et surtout comment bien se protéger. Donc vous allez sur le site nice.fr, sur la page santé et autonomie, et là vous voyez, voilà, vous avez la capture d'écran avec toute une série
série de podcasts sur votre santé, notre priorité, et un podcast qui s'appelle 1, 2, 3 soleil, et est dédié à la prévention. C'est un résumé de, de la fin de l'intervention qui vient de vous être donnée, avec vraiment pour objectif de mobiliser le plus de personnes, le plus de Niçois possible, à se protéger du soleil, en sachant que bien souvent, le constat que nous faisons, nous, sur le terrain, c'est que si les Niçois se protègent pour aller à la plage, ils mettent les chapeaux, les lunettes, ils prennent de la crème solaire avec des protections vraiment intéressantes, on a pu le constater. Par contre, lorsqu'ils vont au jardin ou lorsqu'ils font du sport ou voilà, sur des autres temps qui sont moins dédiés à se mettre au soleil, là, il n'y a plus la protection, or il faudrait qu'elle y soit. Donc, voilà, c'est le professeur Thierry Passeron qui nous mobilise et nous explique aussi comment, voilà, comment se protéger du soleil avec tout ce qui vient de vous être dit sur les phototypes, etc. Donc, n'hésitez pas à diffuser l'info pour ceux qui ont raté le Zoom, même si vous avez la possibilité de réécouter ce Zoom et si vous avez moins de temps ou si vos proches, vos enfants n'ont pas forcément autant de temps à accorder sur le sujet. Là, en 14 minutes, ils peuvent être briefés et bien briefés sur comment se protéger. Avec aussi, voilà, je pense, ça me fait penser à ce que je trouvais assez intéressant, c'était au-delà de l'indice, c'était de la quantité de crème qu'il fallait se mettre. Bien souvent, on n'en met pas assez. Et il faut mettre, voilà, par exemple, sur le visage, l'équivalent d'une cuillère à café. Donc, voilà, il faut forcer un peu plus la conso de crème. Il faut y penser. Donc, il y a quelques astuces intéressantes. Je vous invite à l'écouter. Merci. Je peux rebondir dessus ? Bien sûr, bien sûr. Oui, vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait. Les gens pensent des fois qu'ils vont au soleil que quand ils sont sur la plage, sur un transat. Mais en particulier sur notre région, le fait de se balader en ville toute une après-midi ou alors d'aller au ski aussi, d'aller à la montagne, faire de la rando, quoi que ce soit, c'est une exposition solaire tout aussi importante. Et sur les crèmes solaires, vous avez raison, il y a la quantité et il y a également l'application à la sortie de la baignade. On voit souvent écrit water résistant, résistante à l'eau. Oui, de plus en plus, mais n'empêche, ce qu'il est recommandé, c'est que quand on sort de l'eau, il faut se réappliquer de la crème. Merci. Merci. Ça va être le moment, en fait, si vous êtes d'accord, docteur, de répondre aux questions qui ont été adressées à l'avance voilà, à la direction de la santé et puis peut-être aux questions qu'il y a également sur le chat. Patricia, je vous donne la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc, Patricia Sarrault, en direction de la Direction Santé publique de la ville. Donc, on a plusieurs questions qui ont été posées. Vous avez répondu déjà à plusieurs reprises hein, sur les facteurs de risque des cancers et vous avez très bien dit que tous les cancers ne sont pas liés au soleil, mais la grande majorité des cancers le sont. Beaucoup de questions sur le mélanome et les traitements. Alors, une personne nous dit que son papa est décédé d'un mélanome stade 6 et que quelques mois après, elle a développé un autre mélanome, donc à un stade plus précoce, un stade 2 au pied. Les tests génétiques étaient négatifs et cette personne se demande s'il y a une part psychologique ou si ce n'est finalement que des facteurs environnementaux qui seraient liés à ce diagnostic après le décès de son papa. Est-ce que vous avez répondu un petit peu, mais je pense que c'est important de répondre à cette question. Son papa est décédé d'un mélanome et elle-même a un mélanome localisé. Suite, voilà, qui était au pied, mais qu'elle a découvert après le décès de son papa. Alors non, c'est pas psychologique. Comme tous les cancers, ce ne sont pas des maladies psychosomatiques. On ne se crée pas un cancer parce qu'on a des soucis personnels, professionnels, des drames dans sa vie personnelle. Après, le facteur psychologique peut jouer des fois dans des formes avancées de maladie par rapport à l'adhérence, l'adhésion à un traitement. Mais ce n'est pas le fait que son papa soit décédé d'un mélanome qui a fait qu'elle ait eu un mélanome. Il y a peut-être un terrain familial. Alors, soit pas dû à des mutations, parce que ce que vous me dites, l'analyse génétique avait été faite. Mais ça, c'est très rare, hein. C'est 2-3% des mélanomes pour lesquels un gène est retrouvé. Par contre, c'est ce que je mettais dans les facteurs de risque, on retrouve le terrain familial, parenté du premier degré, comme un facteur, comme une susceptibilité. Donc non, pour répondre à sa question, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas déclenché par son moral, non. Ouais.
Alors, si c'était au pied, peut-être qu'elle a regardé un petit peu plus là où Oui. on ne regarde jamais. Et puis, voilà, bon, c'est difficile, en 3 quarts d'heure, on ne peut pas tout parler de tout, mais il faut savoir que tous les mélanomes ne sont pas dus au soleil aussi. Bien sûr que c'est le principal facteur de risque, mais il y a une proportion non négligeable de mélanomes pour lequel le soleil n'est pas responsable. Alors, vous allez me dire, bon, c'est quoi? On ne sait pas. Il faut être honnête, hein, il y a beaucoup de cancers. On n'a pas la cause, et dans le mélanome, parfois, notamment les mélanomes sur les ongles, les paumes et les plantes, il peut parfois y en avoir à l'intérieur, hein, au niveau des yeux, de la muqueuse, on ne connaît pas les facteurs de risque. Alors, une personne nous pose la question aussi de dans quelle mesure un traitement par chimiothérapie orale ou injectable pour tout autre cancer entraînerait un risque accru de cancer cutané. Est-ce qu'il y a un lien entre le traitement par chimio et le risque, un sur-risque de cancer cutané? Alors oui, c'est établi. On sait que les chimiothérapies, ça immunodéprime, hein, ça fragilise, ça descend les défenses immunitaires. Et c'est clairement établi pour les carcinomes, et en particulier les carcinomes épidermoïdes, que c'est un facteur de risque. Chimiothérapie, on retrouve ça aussi chez des patients qui ont des transplantations d'organes, qui sont à haut risque de carcinome épidermoïde. C'est beaucoup plus débattu pour le mélanome. Et c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis dans les facteurs de risque. Le facteur immunodépression n'est pas clairement reconnu, c'est débattu, comme étant un facteur de risque de mélanome. D'ailleurs, on voit les transplantés d'organes, parce que c'est vraiment l'exemple typique de l'immunodépression, des patients fragilisés ne sont pas forcément, pas complètement vrai, mais à nuancer, mais de mélanome. Donc oui, pour les carcinomes, et en particulier les carcinomes épidermoïdes, tout dépend aussi des types de chimiothérapie, hein, il y a vraiment tout à... Mais plus discutable pour les mélanomes. Alors, une personne nous demande s'il est possible de déterminer par une prise de sang si un patient peut se guérir par immunothérapie, et nous demande aussi s'il y a des recherches sur les vaccins anti-mélanome. Donc, vous allez pouvoir peut-être nous en dire plus. Alors, c'est une très bonne question. La première question donc, sur l'immunothérapie, c'est un axe de recherche brûlant. Il y a à peu près tous les labos scientifiques au monde qui travaillent sur le mélanome qui, je pense, ont au moins un étudiant en thèse, un post-doctorant qui travaille sur ça. Et à Nice, on a ça. On a plusieurs équipes. On a la chance d'avoir 3 équipes INSERM qui travaillent exclusivement sur le mélanome et notamment, en plus d'autres domaines, mais sur des marqueurs prédictifs de réponse ou de non-réponse à l'immunothérapie. Donc, il y a beaucoup de choses, des choses très compliquées qui ont du mal à être validées de façon... solide, consensuel. C'est souvent des techniques très onéreuses, très difficiles à réaliser en pratique, prise de sang, biopsie. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé la prise de sang. On pourrait comparer ça au PSA, peut-être que tout le monde connaît un peu ça, même si pareil, ça fait beaucoup débat, comme dans le dépistage du cancer de la prostate. On n'a pas dans le mélanome l'équivalent du PSA, mais c'est du quotidien. Et alors après, la vaccination, ça fait passer une forme d'immunothérapie, hein. En fait, le mélanome, c'est un cancer qui historiquement est très, ce qu'on appelle immunogène, pour lequel l'immunothérapie au sens très large a toujours été un gros domaine de recherche. On a toujours pensé que le mélanome se traiterait par l'immunothérapie. Mais quand on dit immunothérapie, on dit ça englobe beaucoup de choses, et notamment la vaccinothérapie. Et ça, ça a été des domaines de recherche dans les années 90-2000, 2005. Et avec des résultats négatifs. Les essais, on avait participé à Nice, notamment à un essai, avec un vaccin anti-mélanome. C'était des données très, très sérieuses, hein, mais qui ne se sont jamais confirmées chez l'humain, chez l'homme. Mais il y a un autre pan de l'immunothérapie, et on en entend beaucoup parler avec le mélanome, le cancer du poumon, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de checkpoint, je ne vais pas être trop technique, mais qui, eux, ont montré leurs preuves et qui sont rentrés... vraiment dans la prise en charge routinière des patients atteints de cancer, et en particulier en dermatologie. Mais ce n'est pas de la vaccinothérapie. Et pour l'instant, la vaccinothérapie, elle est mise de côté, un peu la recherche dessus. Okay, merci. Alors, des choses un petit peu sur le pronostic, mais bon, sur la récidive de mélanome à l'arrêt de traitement adjuvant, est-ce que c'est fréquent? Et puis le risque aussi de métastase, les chances de guérison, bon, c'est...
Ah oui, bon, ça, je n'ai pas abordé parce que, pareil, en trois quarts d'heure, on ne peut pas aborder. En plus, là, c'est que sur le mélanome. Puis, on rentre vraiment dans un domaine, ce qu'on appelle la maladie, soit à haut risque de récidive. Parce que vous parlez du terme adjuvant, mais c'est peut-être pas, tout le monde ne connaît peut-être pas ce terme, adjuvant. Adjuvant, pour simplifier, c'est un patient qui a eu un mélanome, qui est allé dans les ganglions. Donc, déjà, c'est une maladie qui est agressive et qui a été opérée. Donc, il n'y a pas de maladie, qui, après l'intervention, n'a plus de mélanome sur lui, mais qui a un haut risque, qui a une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête, de récidiver. Et donc, on fait depuis, c'est assez récent, hein, c'est 4 ans, on peut faire soit de l'immunothérapie, soit de la thérapie ciblée, donc des comprimés, pendant un an pour prévenir ce risque de récidive. Donc, ce sont des études internationales auxquelles on a participé aussi à Nice, on a eu cette chance, et qui ont montré que aussi bien l'immunothérapie que cette fameuse thérapie ciblée réduisait le risque de récidive d'à peu près 50%. C'est quand même pas rien. Alors, c'est vrai, hein, on peut se passer du... Nous, du côté médical, on est très satisfait de ces résultats, mais on est bien conscient que quand on fait partie du mauvais côté, voilà, il manque encore 50% des patients qui vont finir par récidiver. Et l'autre question sur le mélanome métastatique. C'était le risque le champ de guérison quand il y a une métastase. Alors, si on veut vraiment, on n'aime pas trop parler de guérison en cancérologie. On parle, je pense que les mots ont leur importance, même si les patients ont envie d'entendre, on parle de rémission complète. Et on a de plus en plus, grâce en particulier à l'immunothérapie, des rémissions complètes dans le mélanome, ce qu'on n'avait pas il y a encore même pas 10 ans. Malheureusement, le mélanome avancé, hein, qui touche le foie, le poumon, d'autres organes, avait un pronostic catastrophique. Mais depuis les années 2012 et surtout depuis 5-6 ans, grâce à l'immunothérapie, on peut guérir, on met en rémission complète des patients. Et j'aime pas dire guérir parce que si on guérit un patient, on ne dit pas de revenir nous voir dans 4 mois avec un scanner. C'est comme ça à chaque fois que je le dis aux patients en consultation. Ils me disent, alors docteur, je suis guéri. Je leur dis, non, vous êtes en rémission complète et on peut vraiment espérer qu'elle va durer, cette rémission. Mais vous n'êtes pas guéri parce que si vous étiez guéri, je ne vous dirais pas, on se revoit dans 6 mois. Voilà. Alors, merci. Je n'avais pas d'autres questions. Alors, j'ai vu que dans le chat, une personne évoquait le fait de mettre de la crème solaire, parce qu'on en a discuté tout à l'heure, mais même aussi l'hiver. Alors, est-ce que vous conseillez dans quel cadre, avec une protection solaire élevée? Est-ce que c'est utile? Je ne vois pas bien les questions, mais oui, l'hiver… On peut mettre de la crème solaire 50, indice 50 l'hiver. Ah oui, l'écran solaire, il a sa place dès qu'on s'expose au soleil, l'été sur la plage, ou l'hiver si on est au ski, ou si on fait de la rando, au printemps, à l'automne. Alors, c'est sûr que l'exposition ne va pas être la même en fonction de la saison. On sait aussi qu'en altitude, avec la réverbération, les UV sont très agressifs. Donc oui, il faut se protéger du soleil quand on est aussi à la montagne, en hiver. Alors, c'est plus simple parce qu'on a déjà une bonne partie qui est couverte, mais ce qui n'est pas couvert doit être protégé par un écran solaire. Alors, d'indice supérieur à 50, oui, si on est très clair de peau, si on a des antécédents de cancer cutané. Comme je vous disais, on ne va pas dire à quelqu'un qui est de phototype 4, hein, je vous rappelle, donc patient mat, de lui mettre un écran 50. On adapte notre discours à la personne qu'on a et à ses antécédents. Mais oui, il faut se protéger l'hiver aussi. Merci. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que des personnes souhaitent prendre la parole ou vous pouvez utiliser votre micro ou si je n'ai pas vu d'autres questions? Oui, oui, oui. Ah oui, sur l'écologie autrement, est-ce que d'un point de vue écologique, les crèmes solaires dans la mer ou les lacs, c'est quelque chose… il y a beaucoup de discussions hein, sur le rôle des crèmes solaires et l'environnement. C'est clairement pas mon domaine d'expertise. Hein. Après, oui, c'est encore il y a pas longtemps à la télé, j'ai entendu. C'est vrai, les laboratoires de cosméto qui sont très sérieux, hein, qui développent des écrans solaires, sont bien conscients que quand on va se baigner avec un paquet de crème ou en plus le dermatologue dit qu'il faut mettre une couche épaisse, ça va dans l'eau. Et donc, il y a de plus en plus de travaux là-dessus pour essayer de minimiser dans certains constituants des écrans solaires. Oui.
Docteur, deux autres questions que j'ai souvent entendues. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand, par exemple, un grain de beauté saigne ou voilà, est blessé par un vêtement, une fermeture éclair? Est-ce qu'il faut courir chez le dermato ou est-ce qu'il faut simplement le soigner et attendre de voir comment il évolue? C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on a longtemps pensé, mais il y a plusieurs décennies, que le fait d'irriter, de traumatiser un grain de beauté favorisait sa dégénérescence en mélanome. On sait que non. Ça va faire mal, ça va saigner, mais ça ne va pas faire que le grain de beauté va se transformer en mélanome. Ça, c'est si on le traumatise. Par contre, il faut faire attention. Si un grain de beauté évolue et prend un aspect saignotant, mais sans qu'il y ait un traumatisme évident, ça, c'est peut-être un signe de dégénérescence. Vous voyez ce que c'est, cette nuance, hein. Je me tape contre la porte où j'avais mon grain de beauté en relief, aucun souci, il ne va rien se passer. Par contre, j'avais un grain de beauté qui était là depuis 20 ans, et là, d'un coup, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, il a pris une couleur différente, il a pris du relief et il se met à saigner tout seul. Ça, par contre, ça doit alerter. Merci. Autre question, docteur. Voilà, souvent, en vieillissant, des taches de dépigmentation blanche apparaissent voilà, sur le corps. Est-ce que c'est un signe de fragilité accrue au soleil? Ce dont vous parlez, c'est notamment le vitiligo, qui est une maladie de peau qui donne des plaques blanches parce qu'en fait, il n'y a plus de mélanine donc produite par ces mélanocytes. On sait maintenant que les patients qui ont des vitiligo ne font pas plus de mélanome et ne sont pas plus à risque de mélanome. Parce qu'on a longtemps pensé, notamment parce qu'ils avaient ces plaques blanches, donc dès qu'ils allaient prendre du soleil, donc ce n'est pas un facteur de risque de mélanome. Voilà. Après, il faut protéger ces zones comme les autres zones et il faut se protéger, mais ce n'est pas un facteur de risque. Il y a plusieurs questions dans le chat là, en très peu de temps. Le fait que est-ce que les UVA passent à travers les fenêtres dans les voitures, vous l'avez? Oui, c'est pour ça qu'on voit cette fameuse photo du camionneur. Et donc oui, à travers la vitre, le pare-brise, les UV passent, notamment les UVA. Voilà. Comment s'assurer qu'on profite des bienfaits du soleil tout en se protégeant? Ça, c'est une question dure, ça. C'est comme tout, alors ça fait phrase toute faite, hein, c'est être raisonnable. C'est donc éviter le coup de soleil. Pareil, on prend un coup de soleil, c'est pas fini, il ne faut pas non plus paniquer. Mais on voit des patients dès le mois de mai, le mois de juin, ils sont déjà à deux coups de soleil. Bon, on sait que quand on va les voir en septembre, octobre, ils auront passé leur été à brûler. Et ça, c'est pas raisonnable. Ensuite, pareil, on adapte, il y a des patients qui bronzent et on voit qu'ils n'ont pas de signes, de stigmates sur la peau, de souffrance cutanée, parce qu'on n'est pas tous égaux face au soleil aussi. Hein. On prend toujours l'exemple du patient qui a fumé toute sa vie, qui ne fera pas de cancer du poumon, et à l'inverse, celui qui n'a pas fumé, qui fait un cancer du poumon, bah, c'est pareil pour le soleil. Malheureusement, il y a des gens qui auront pris du soleil toute leur vie, qui ne feront rien, et il y a celui qui fera le mélanome, alors qu'il s'est toujours protégé. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, c'est du bon sens, c'est être raisonnable. Éviter les expositions aux heures critiques, se protéger, en particulier si on est de peau claire, et en particulier chez les enfants et les adolescents. Ça, vraiment. Docteur Montaudier, Martine Grimaldi, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous avez bien dit que le capital soleil de la peau est acquis avant 20 ans, à peu près la moitié du capital soleil, et que le problème essentiel, c'est l'exposition des enfants. Et on voit bien qu'il est illusoire quand des enfants, bon, on peut éviter les heures chaudes, bien entendu, mettre chapeau, lunettes de soleil, mais on voit bien que les parents, ils ne courent pas après leurs enfants pour mettre de la crème régulièrement, il faudra en mettre toutes les 2 heures. Et je voulais savoir s'il y avait, donc l'idéal bon, serait de proposer des vêtements anti-UV ou peut-être simplement des vêtements de coton couvrant. Je voulais savoir si des simples vêtements de coton couvrant pouvaient protéger les enfants, mais je dis couvrant, c'est-à-dire voilà, jusqu'aux mains, jusqu'aux chevilles, et privilégier bien sûr l'application de la crème solaire sur le visage et les zones exposées. Et est-ce qu'il y a des pays, vous avez parlé de l'Australie, qui ont pu proposer peut-être une législation pour protéger davantage les enfants en demandant qu'un enfant sur la plage, eh bien, il ait un vêtement couvrant. Puisque l'application solaire, on ne peut pas l'imposer, on ne peut pas la vérifier, mais un vêtement, on peut voir si un enfant a un vêtement ou pas. Est-ce que dans ces pays à haut risque, par exemple l'Australie, il y a eu des tentatives de législation pour protéger davantage les enfants? Alors,
répondre par votre première question. Déjà, vous avez raison, des habits anti-UV, mais également des habits classiques, c'est toujours bien, ça protège tout aussi bien. Après, j'ai l'impression quand même, et pour le coup, vraiment, je regarde quand je vais, parce que je vais quand même à la plage également, que ça rentre dans les mœurs des jeunes parents, des gens, même pas des jeunes parents. On voit de plus en plus d'enfants se protéger ou être protégés par leurs parents avec des habits, avec le chapeau, où on voit les parents courir sur la plage pour essayer de mettre la crème. J'ai quand même l'impression un petit peu que c'est rentré et que ça n'a rien à voir avec il y a encore 15 ou 20 ans. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est sûr, parce qu'on voit à l'inverse des enfants encore en plein soleil quand ils sont blonds aux yeux bleus. Pour ce qui est de côté légal, légiférer, alors je ne suis pas sûr qu'en Australie, ils aient légiféré qu'ils aient imposé. Mais par contre, et bon, c'est toujours pareil, on peut élargir ça sur plein de sujets sociétaux, c'est que oui, on peut légiférer, mais je pense que ça bloque. C'est surtout éduquer et apprendre, et par ce type de réunion, par de la communication. Et ça, en Australie, et je vous le disais, dans les écoles, ça fait partie de l'enseignement des enfants de maternelle et de primaire en Australie. Et donc, ils savent. Et bon. Et d'ailleurs, parce que c'est aussi un débat, alors ça va un peu contre ce que je dis tout à l'heure, les campagnes de dépistage, de prévention, elles, là aussi, leurs preuves, des fois, tardent un peu leur efficacité tarde un peu à être démontrée, notamment en Europe, en Allemagne, au Danemark, il y a eu des campagnes où on ne voit pas forcément d'effet. En Australie, où ils ont maintenant plus de recul, on a l'impression, mais c'est tout récent, que l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas, est en train la courbe est en train de s'aplanir. Donc peut-être, mais au prix d'une éducation, c'est vraiment rentrer dans les mœurs, dans les habitudes. Après, légiférer, je pense pas que ce soit la solution. C'est par contre, c'est éduquer, c'est aller dans les écoles, en maternelle, en primaire, dans les collèges, donner des cours, mais ça, c'est valable pour le tabac, pour l'alcool et pour tout. Mais pour le soleil, ça doit l'être tout autant. Une question sur les biopsies. Quels sont les risques d'avoir une biopsie et combien de temps doit-on compter pour une cicatrisation ? Alors, une biopsie avec le petit appareil vert que je vous ai montré tout à l'heure, là, de 3-4 mm, il n'y a jamais zéro risque en médecine, mais ça fait un petit peu mal, mais on a une anesthésie locale pour ne pas sentir. Ça peut un peu piquer, ça peut tirer, ça peut saigner, en particulier si on a des traitements qui fluidifient le sang. Mais ça, c'est instantané. Et en règle générale, 7 jours après, on enlève les points et ça cicatrise. Alors, une cicatrice, ça travaille pendant plusieurs mois. Hein. On dit classiquement, une cicatrice, ça met un an pour vraiment se finaliser. Mais le côté un peu gênant, c'est 10-15 jours. Alors après, tout dépend de la taille de la lésion, de sa localisation. On sait qu'il y a des zones qui cicatrisent mieux que d'autres. On sait par exemple que les patients fumeurs cicatrisent beaucoup moins bien. Si on est actif et que c'est une lésion qui était sur l'épaule, donc il y a beaucoup de paramètres. Mais globalement, une biopsie et une chirurgie d'une tumeur cutanée, on est sur des lésions qui font de l'ordre de 3-4 mm à 1 ou 2 cm, pas plus. 15 jours, 3 semaines, le gros de la cicatrisation s'est faite. Après, on a 15 jours, 3 semaines. Merci. Alors, une personne nous demande si on sait qu'on a pris plusieurs coups de soleil dans l'enfance, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est adulte ? Alors, il ne faut pas courir chez le dermatologue. Il faut essayer de ne plus trop en prendre. Mais parce qu'il faut bien distinguer, il y a ce qui a été fait pendant l'enfance, et c'est vrai que c'est fait, maintenant, il ne faut plus revenir dessus. Et ça, c'est certains sous-types de mélanomes. Et puis, il y a l'exposition tout au long de la vie qui va donner plutôt des carcinomes et un sous-type de mélanome. Donc, il faut faire comme les autres, se protéger raisonnablement et éviter d'avoir l'effet cumulatif des UV. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai plusieurs remerciements dans le chat. On trouvait vraiment très intéressante cette conférence. Est-ce que des personnes souhaitent poser des questions ? Parce qu'on a déjà bien avancé. Voilà.
Peut-être que en termes de santé publique, vous avez connaissance de campagnes nationales hein, qui auraient bien marché. Est-ce que les dermatologues s'en intéressent dans les congrès? Est-ce que la prévention finalement a une présence maintenant dans vos congrès professionnels de dermato? Certainement pas assez, clairement. Mais ça, je pense que c'est français et pas que dermatologue, mais nous, on a notre part de responsabilité. Je crois que c'était partie du plan. Hein. Enfin, c'est prévu de mettre l'accent sur la prévention. On n'arrivera pas de toute façon parce que voilà, le coût des nouvelles molécules, quand on a des patients qui ont des maladies avancées, le système ne tiendra pas. Donc, il faut agir en amont et en premier, les spécialistes. Et donc, nous, les dermatologues, alors, il y a des congrès, il y a des thématiques. On a des réunions, on a des séminaires, on communique parfois auprès d'institutions, mais c'est sûr qu'il y a, je pense, beaucoup à faire. En partenariat, comme ce soir, avec les collectivités. Ouais. Alors, une autre question sur le mélanome de Dubreuil, est-il dû au soleil? Alors oui, je ne suis pas rentré dans les sous-types, mais je parlais un instant de celui-ci, justement. Le mélanome du Breuil, c'est le mélanome plutôt du sujet âgé. Je vous l'ai dit justement, que le mélanome, souvent, c'était vers 50 ans, 55 ans. Le mélanome de Dubreuil, alors ça se voit, pareil, ça a diminué, mais c'est classiquement plutôt le mélanome du sujet de 75, de 60, 80, 70 ans, 80 ans, parce que c'est l'exposition chronique, le facteur de risque, comme les carcinomes. Ça, c'est des gens qui ont eu une exposition tout au long de leur vie. Ce n'est pas le coup de soleil bref intense. Le coup de soleil bref intense, c'est ce qu'on appelle le mélanome à extension superficielle, qui est le plus fréquent et qui touche les zones exposées, mais pas que, parce qu'il n'est pas que dû au soleil. Alors que le mélanome de Dubreuil, c'est vraiment le même processus que les carcinomes. C'est toujours sur une zone exposée, donc le visage classiquement, et c'est des patients qui ont pris du soleil tout le temps. Donc oui. Eh bien, docteur, je crois que nous avons fait le tour des questions, n'est-ce pas, Patricia? Oui, 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 je regardais à nouveau, mais je pense qu'à moins qu'une personne souhaite prendre la parole, mais je pense qu'on a eu pas mal de questions diverses. Donc, Écoutez, je vais remercier tous les participants et puis infiniment, bien sûr, le docteur Montaudier pour cette présentation aujourd'hui. Vous savez que vous pouvez retrouver de toute façon cette présentation sur nice.fr, donc le site de la ville de Nice. J'en profite pour vous rappeler que nous avons mis en place un questionnaire de satisfaction pour savoir si nous allions dans le bon sens et qu'on répondait bien aux demandes des Niçois. Donc, vous pouvez encore répondre à ce questionnaire de satisfaction sur le lien d'inscription, d'ailleurs, des Zoom Santé. Et je crois que la date limite, c'est ce soir, n'est-ce pas, Patricia? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On a, voilà. Donc, surtout, on clôt ce soir donc, pour pouvoir ensuite adapter notre prochaine programmation. Voilà. En attendant, donc surtout, pensez-y ce soir à faire un petit tour sur nice.fr pour répondre à ce questionnaire. Et j'en profite aussi pour vous annoncer la prochaine conférence Zoom Santé qui aura lieu le 20 juin et qui sera sur un sujet complètement différent puisque ça sera sur les conduites addictives de l'adolescent. Voilà, si vous avez des jeunes dans votre famille, je suis sûre que vous vous sentirez concernés. Parlez-en autour de vous. Ça sera le docteur Farej Chérik, chef de service d'addictologie au CHU de Nice, qui la présentera. En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence, pour vos questions, pour votre intérêt. Merci encore, docteur. Et puis, bonne soirée et à la prochaine conférence Zoom Santé. Merci à vous. Au revoir.